ces trois choses demeurent la foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande de ces choses, c'est la charité. Sujet, message du matin, c'est la foi, l'espérance et l'amour sont trois choses indispensables aux chrétiens. La foi, l'espérance et l'amour sont trois choses indispensables aux chrétiens. La foi, l'espérance et la charité sont trois choses qui sont indispensables aux chrétiens, aux croyants, aux enfants de Dieu. La foi, l'espérance et la charité sont les principales grâces de l'Esprit de Dieu. Dans la vie du chrétien, c'est la raison pour laquelle Paul les oppose aux dons spirituels qui sont de courte durée. Nous avons étudié les dons spirituels. Vous les connaissez très bien. Pour Paul opposer ces choses, la foi, l'espérance et l'amour aux dons spirituels. Paul préciser la demeure de ces trois choses dans la vie du croyant, parce qu'elles demeurent dans le cœur des croyants. Parce qu'elles influencent le tempérament des croyants, des chrétiens. Parce que ces choses influencent les paroles et les œuvres des chrétiens. Maintenant, nous voulons réfléchir avec vous sur ces trois choses, à savoir la foi, l'espérance et la charité ou l'amour. D'abord, la demeure de la foi dans la vie du chrétien. Première information d'après matin, ou bien première vérité, c'est la demeure de la foi dans la vie du chrétien. La foi, on doit dire ça lié, parce que théologien, pasteur, ils ont divisé sur enseignement aussi la foi. Ou quand dans l'église, hein, les enseignants telle doctrine sur la foi, ou quoi dans ça, et pas étonné, ou ils viennent dans l'autre église qui enseignent non pas gain, qui tout à fait contraire à doctrine l'église ou à sur la foi. C'est vrai qui ça la foi li ben lié. Et si m'dio bagay qui contraire à doctrine l'église, parce que j'ai 38 ans
depuis converti. Et puis c'est un monde, même quand depuis converti, je commence à prêcher l'évangile. Dans la rue, je ne suis pas mis pour l'église. Mais même quand depuis converti, je commence à prêcher dans la rue. Je m'a baptisé après 3 ans. Après 3 ans, je m'a prêché l'évangile sans pas baptiser. Alors, ici, à ces 2 ans seulement, je ne sais pas si exactement toute l'église là. Donc, peut-être qu'il y a des bagailles qui sont contraires à la doctrine de l'église là. Et ça va être un petit peu si il y a des bagailles qui sont contraires à l'église là. C'est parce qu'elles sont hérétiques mieux. Comme si je m'enseigne l'erreur. Parce que quand il y a des doctrines, théologie divisée sur eux, pasteur divisé sur eux, l'église divisée sur eux. Mais ce qui est certain, et bien qu'on n'est que doctrine de l'église là, mais qui s'allie, au grand jamais, on ne pas le droit si on ne pas qui contraire à la doctrine de cette église. Est-ce que nous comprenons moins? Bon Dieu béni, à nous voir qui ça l'a croyé. En nous qui s'allie, avant nous qui s'allie, la vraie foi, la foi n'a pas l'air de l'imaginer, hein? La foi, l'espérance et la foi, l'espérance et l'amour. En nous qui s'allie, vraie foi, avant nous qui s'allie, en nous qui s'allie, avant nous qui s'allie, en nous qui s'allie, vraie foi. Foi pour gagner, pour libérer, pour délivrer, pour sauver, pour péché pardonner, pour recevoir le salut éternel, pour devenir enfant de Dieu, pour qu'assurance par le ciel, mais qui s'alpaye. Et ça est important matin, pour que le monde capte, soit par moi et radio, soit par moi et réseaux sociaux, nous capables de tendre, mais qui s'alpaye, pour payer. Ce qu'elle n'est pas, sa vraie foi baille. La foi intellectuelle. La foi intellectuelle. On a lu la Bible de la Genèse à l'Apocalypse. Et qu'a mémorisé des textes bibliques. Parfois, on a demandé de lire. Je ne crois pas que je connais la Bible. Passez où? Et pourtant, je ne crois pas là-dedans. Donc, ça, on a une foi intellectuelle. De dans la parole de Dieu. Nous songeons le grand Paul Berthé, ensemble avec nos anciens commissaires du gouvernement, pasteur Audin. Et puis, il y a 2 juges d'instruction ensemble avec nous. Quand on a parlé de la Bible avec pasteur Audin, l'autre l'a dit, et on a ça, on est dans la Bible. On va parler de la Bible là. On connaît ce monde dérouillé. L'école, ou pas qu'on est des plus intellectuels, des plus intellectuels où il est, ou de qu'on est Bible. Ça veut dire que nous avons une connaissance intellectuelle de la parole de Dieu et une foi nouvelle, foi intellectuelle. Mais ce n'est pas la vraie foi. Ce n'est pas la foi salvatrice. Ce n'est pas la foi qui sauve. Alors, Jacques 2, verset 19, il s'agit. Jacques 2, verset 19. Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi et ils tremblent. Pourquoi qu'il y a un seul bon Dieu pour faire bien? Mais les démons comme ça, oui. Et au trembler devant vérité, ça c'est la foi intellectuelle. En nous a dit ça, des mois de déclarer le nom de Jésus. Y a-t-il entre nous, c'est Marc en premier, verset 24e. Qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre.
Je sais qui tu es. Je sais qui tu es. Le Saint de Dieu. Démon de vérité. Démon déclaré que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Est-ce que tu as la foi pour sauver? Est-ce que démon t'a sauvé? Non. Démon pas qu'à sauver parce que démon est déjà condamné. Ça, c'est la foi intellectuelle de la parole de Dieu. Les Juifs en général, ils connaissent que gagner un seul vrai Dieu. Je connais rien, un seul vrai Dieu. Je dis l'Éternel est un. Je crois dans l'unité. L'Éternel est un. Est-ce que je suis sûr qui parle comme un diable qui rejette Jésus, qui pas accepté Jésus-Christ comme souverain, qui mourit sans Jésus, sans pas de vraie foi? Est-ce que vous sauvez? Parce que vous connaissez l'Éternel est Dieu, est le créateur de l'univers. L'Éternel est un, c'est le même seul qui voit Dieu. Est-ce que ça suffit pour sauver eux? Non! Je veux accepter Jésus-Christ comme sauveur personnel. C'est ça que tout juif dit que eux-mêmes, c'est témoin de Jéhovah. Témoin de Jéhovah, Jésus-Christ va changer ça. L'invité avec discours ça. Pour recevoir une puissance, le Saint-Esprit, tu venant sur vous et vous serez mes témoins. Jésus le Père suspendu, c'est témoin de vous, et vous pensez que vous sauvez sans pas croire dans Jésus. Vous serez mes témoins. Pourquoi croire dans Jésus, pourquoi accepter comme sauveur, personnellement. C'est qu'elle n'est pas sa foi, vraie foi, païenne. La vraie foi, ce n'est pas la foi temporelle ou émotionnelle. Ce n'est pas la foi temporelle ou émotionnelle. On va lire dans Matthieu chapitre 13. On va essayer de voir la foi temporelle ou émotionnelle qui n'a pas qu'à sauver l'homme. La foi temporelle ou émotionnelle. Matthieu chapitre 13. On commence à lire dans verset 5, puis dans verset 8. Matthieu 13, 5 à 8. Il parlait du parabole. Il parlait de parabole, semence. Verset 5. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain. 100, un autre 60, un autre 30. Alors, dans Matthieu 13, verset 20, on est venu dans verset 23 pour nous capables de comprendre en parabole ça. Verset 20, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. La foi temporelle, la foi émotionnelle. Verset 21. Mais il n'a pas de racine en lui-même.
Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il éprouve une occasion de chute. Père, on dit chuter. Bon, ça devient dans l'église là, mais c'est la foi temporelle, la foi occasionnelle qui te mène, la foi émotionnelle qui te mène dans l'église là. C'est pas la vraie foi. C'est pour ça qu'on va chuter. Et puis là, chuter, on va dire que le monde qui sauve et qui a perdu, en même temps, ça dans l'église là, il t'a chanté, il t'a fait mission, regardez non, il t'a pratiqué bon Dieu, mais chuter qu'on y a, mais de mon bon corps, il est mon bon corps, le monde qui sauve et qui a perdu. La foi temporelle peut dégager. La foi temporelle, la foi émotionnelle. Allons continuer. Verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole. Mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffe cette parole et la rend infructueuse. Pour ça, la foi temporelle, la foi émotionnelle que nous dégagons, qui démène en tant l'église là, mais en nous, le monde qui dégage la vraie foi, la foi qui sauve, la foi salvatrice, la foi salvifique. La foi, Bible a dit, pour quelqu'un, pour sauver. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. En nous, vous dit une vraie foi. Bible a parlé de Dieu. Verset 23. Celui qui a reçu la semence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Comme ça, avant de vous les convertir, vous ne pouvez pas nous prier avec les temps des paroles-là, les comprendre, paroles-là, les croire, paroles-là. Et c'est pour ça qu'à sauver, hein, celui qui entend la parole et la comprend, il porte du fruit. Il porte du fruit. Vous qui sauvez, vous qui devenez enfant de Dieu. Mon qui libéré, mon qui délivré, mon qui transporté du royaume des ténèbres de Satan au royaume de lumière de Jésus-Christ. La peau des fruits. Pasteur, pas besoin de combat avec nous, peau des fruits, non? Pasteur, pas besoin de combat avec nous, servir mon Dieu, non? Pasteur, pas besoin de combat avec nous, pratiquer le bon Dieu, non? La peau des fruits. Il besoin d'être dans l'enseignement de la parole de Dieu pour avoir la maturité chrétienne, pour avoir la spiritualité, pour avoir la plénitude du Saint-Esprit, pour être rempli du Saint-Esprit. Il besoin d'être dans la parole de Dieu et nous qui sauver à obliger l'été. Dans pied mon Dieu, demain marée, demain marée. Il va qu'à faire un pas. Amen. Pour être l'œuvre dans le ciel. Amen. On n'a pas parlé de demain Marie, depuis Maria. Malon constat comme juge de paix. Malon constat mardi de mercredi. Parce que vous avez 84 ans. Trois jeunes garçons débarquaient la caille. Léguer Kali, la ville faut perdre. Mais l'habitation de Minnesota, il y a des jardins, les gens bandes, les gens cocoyés. Ça fait parfois dormir dans l'ancienne maison que vous avez à 5 heures du soir. Et trois jeunes garçons qui paraissent. Ils ont dit, Méli, après qu'ils disent ça, ils ont dit que vous avez un bâtiment dans le couloir. Le ballon deuxième coup de roche.
C'était madame avec Marie. C'est Marie avec eux, ils ont battu pour vous. Madame là, ils ont marié. Ils ont marié dans la croix. Mais il y a un jeune garçon qui dit, non monsieur, nous pas qu'à quitter dans la croix, mais la vie a menacé. Si tu veux mon nom pour la plus ça, il n'y a pas pour vous. Ils ont mis dans la maison, ils ont marié. Pendant toute la passée de la marée. Mais avant qu'il n'y ait pas de prochain, il n'y a pas tant d'en rien encore. Il y a un homme dans la cuisine, et c'est dans le moment où tu as fait manger. Oui. Quand on dit qu'il y a 84 ans, garçon, madame n'a que 75 ans. Les parents de la police, ensemble avec, ils ont mis ton drap sous l'île, leur tient de là. Sacré des visages là, c'est seulement forme non ouais, solo ouais, mais on tient toute chair. Toute chair qui sous visage grand monde. Oui, mon Dieu, gagne un bref foie. La côte est fruit. La côte est fruit. Parce qu'elle a orienté seulement, enseigner la parole de Dieu. Mais elle n'a pas besoin de nous mettre ensemble à clé. À Noël, la foi, nous voyons ça lié, nous avons anticipé, nous avons ça lié, mais à nous continuer, et foi, nous avons ça le paillé, pendant que ça le paillé, nous avons tombé dans ça, vous voyez. Quelle est la foi circonstancielle aussi? La foi circonstancielle. Nous n'avons pas converti à cause de circonstances. Mais c'est quoi dans Jésus comme sauveur, comme libérateur, comme rédempteur, comme on dit pour des saluts, qui quitte trop dans le ciel là, qui quitte gloire, qui vient endurer souffrance. Pour pas l'homme le salut, nous n'avons pas dit quoi dans Jésus, et pourtant son foi circonstancielle. Dans Jean chapitre 2, verset 23, nous joignons la foi circonstancielle. Pour gagner des gens qui montrent le quoi dans Jésus. Ah, le quoi dans Jésus, le quoi dans Jésus. Le pas quoi dans Jésus, oui, le quoi dans le miracle que Jésus t'a fait. Le quoi dans le miracle que Jésus t'a fait, mais le pas quoi dans Jésus comme libérateur, comme rédempteur, comme sauveur, comme Seigneur, comme le Fils de Dieu. C'est pas dans ça, ouais. Le pas dans là. Tout comme quand on vit le monde qui vit là dans l'église là. Vous pensez que c'est Jésus qui est dans la vie ouvrée, qui fait un lamaté. Et pourtant, son l'autre raison de venir là. C'est pas vrai, chrétien. Le connaître dans une vérité. Mais vous dites amen. Et disons ça déjà. La loi c'est vérité, vérité. Pas si tu as mis toute vérité. Mais ça, tu t'as fait pour ta mettre pour lui. Quand il y a un petit monde qui est dans l'église, là, matin, il n'y a pas passé par la petite porte, par la porte étroite, non. Il y a passé par la porte large. Et vous avez très scellé. Vous avez très scellé. Moi, tu m'as cherché pour mon qui converti dans l'église là. C'est tout ça. Et même pas mon dit que Jésus, puisque l'église, c'est lui-même qui a poussé les bagailles pour qu'il montre que, pour convaincre que les convertis. C'est pas la vraie foi qui démène dans l'église là. C'est la foi temporelle. C'est la foi qui frappe des enfants circonstanciels. Dès que vous proposez de croire dans Jésus, et vous t'assignez un miracle, et vous si vous montrez ça va terre. L'église là est à pendant. Vous avez besoin de repentir, vous avez besoin de convertir, vous avez besoin de croire dans Jésus, vous avez besoin de la vraie foi, la foi salvatrice. Donc foi qui est la foi de conformité. Foi de conformité. On a une église là parce qu'elle a conformé. Jeune garçon de l'église là, jeune fille de l'église là, parce que papa, la maman de l'église là, c'est papa, la maman qui a fait l'école, qui a mal mangé, qui va lui caillouter, il est obligé de venir. La foi de conformité, il est conformé, il est venu.
mais c'est pas parce qu'elle croit dans Jésus, vrai, c'est pas parce qu'elle convertit, vrai. Les venez pour satisfaire aux amis, pour satisfaire papa, pour satisfaire maman, pour satisfaire ma tante qui convertit, pour satisfaire Marie. Elle m'a converti, vrai. Ça peut encore plus mauvais pour la même. C'est pas vrai, frère et soeur. Quand il y a dans l'église, on n'a pas agi, l'église a cavalé ça. Gloire à Dieu. On dit non, marche. Parce qu'on n'a pas converti, vrai. On n'a pas bien Jésus, vrai. Bon, pour tous les deux, parce que il y a 35 minutes pour nous prêcher. Nous allons attendre les pasteurs. Pas pasteur la matin. Qui t'a dit l'église, quand elle déjeuner, batterie coucher, batterie level. Ah, vous qui pas expérience, là, va penser que c'est menti la fin. Batterie coucher, batterie level. Parce que l'église, Paul Berté, regardez, Paul Berté, il est dans l'église, il est au câble, et alors que l'église, il passait dans l'eau avant là. Chadia, on est dans l'église, bon la même montée, on est dans l'église, mais des patries sous chaise marchent dans vos chairs. Chadia, Chadia, c'est vérité. On va expérimenter. Est-ce que c'est ça que vous avez converti ou pas converti? Les mains là, liberté de demeurer, saleté, c'est ça lié, et c'est ça là toujours lié. Y'a l'évangile libérateur, y'a l'évangile rédempteur, y'a l'évangile sauveur, pas de l'homme bagarre, qui a libéré l'homme du péché, sauvé l'homme du péché, mais l'évangile, la vérité, la bonne nouvelle. Quand le pasteur est converti, quand un diable est converti, c'est mon Dieu qui connaît ça, on ne va pas connaître. Et l'évangile dit ça que lui a la foi de conformité. Gagnez un monsieur Paul Berté, quand il était, gagnez une soeur qui est très aidée dans l'évangile. C'est devant Kaélis qui a passé pour l'église côté. Côté le marché, le ciel est converti, oui. Les vrais soeurs, ils l'aiment. Mais ils connaissent pour l'arriver à leur soeur, Marie mourit, le ciel même, pas de vie mourit. Les vrais soeurs, pour l'arriver, Marie avec soeur, ils proposent de convertir. Par contre, si on est converti, mais dans le bureau de la travail, là, les dédits, mon Dieu, que. C'est pas converti, la converti, mais même lui-même, mes soeurs, il va pas l'autre moyen par lequel il est arrivé marié avec soeur, c'est l'église là pour aller. Là où elle va dire que, puisque l'église, le moment pour des stops, c'est un monde qui est sauvé, c'est un monde qui gagne le salut éternel, et pour t'as dit ça que tu mène à l'église là, c'est pas Jésus. C'est parce que votre soeur a servi mon Dieu, il t'a aimé servi mon Dieu tout, mais c'est parce que t'a aimé ou soeur devenu madame lui. Et marié avec soeur lui. Va connaître ce qu'on m'a dit. Après ça. Ah. Alors, qui s'apprête foyer la foi crée la foi salvatrice qui salue. Même si je ne vais pas deux autres points que tu as mis ça là, ma seulement cité et puis fini, même de me toucher de manière solide la foi. Alors, qui ça vrai foyer? Sauf moi qui ça le paye, c'est pas un foyer intellectuel, mon amour dit qu'on est Bible, il lit, il est quand même mémorisé. Des passages bibliques, mais pas quoi donner la parole de Dieu. C'est par un foi émotionnel ou bien temporel, que l'on n'a pas chuté. C'est par un foi de conformité, Marie a mis l'église là parce que madame lui, l'église là,
si nous avons l'église, parce que maman et papa, l'église, mais la foi qui sauve, la foi ça va mais qui s'habille. Mais qui s'habille. C'est un engagement. Nous dit pour Bertia, engagé envers le Seigneur. Et engagement, ça, c'est pour, c'est pas pour un jour, deux jours, trois jours, quelques jours. Mais engagé envers le Seigneur pour le temps et pour l'éternité. C'est un engagement, oui. Donc, une vraie foi, son engagement qu'on prend envers Dieu. Parfois, ça, la foi salvatrice, la foi qui sauve. Sans que je prêche son message pour liberté, titre là c'était la conversion chrétienne, c'est un contrat synalagmatique avec Dieu, passé avec Dieu. Contrat synalagmatique là, c'est pour deux parties aussi un contrat, et chaque fois qu'il y a un bagage que vous baillez. Il y a un contrat de travail, employeur, il y a un bagage que la baille, qui ça la baille? Salaire. Et employé à Pasteur Saint-Baptiste Amadeur, même si c'est pas l'église d'Orié, s'il va mon job, là il va en avoir Bible avec vous, c'est pour faire travail là. Et employé à l'idée faire travail là convenablement. S'il ne pas faire convenablement, il y a Moïse. Allez. Donc, contrat synalagmatique, là, c'est ça. Pour engager envers Dieu. L'homme converti tout le monde. Et pour Dieu, engager envers vous. Pour engager envers Dieu, pour quitter vos dents, quitter péché, quitter magie, quitter habitation, quitter le monde. Content des gens qui sont convertis, ils ont dit c'est moi qui converti, mais mon monde pas converti. Grand-papa ne pas converti. Grand-moi ne pas converti. Son capable de débarrasser ça pour même tout pas converti. Amen. M'a dit Amen. Amen. Son capable de débarrasser ça pour même tout ou pas converti. Qu'on soit papa qui n'a magie, qui n'a diable. Maman qui sont méchantes, qui a douillé pour vous. Ou pas converti. Pas converti. C'est un engagement, oui. Leur convertissement, engagement vers Dieu, ou mettre en vie de sainteté, ou vivre dans la crainte de Dieu, ou aimer mon Dieu, ou marcher avec mon Dieu, ou pas aimer le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ou prendre engagement, ça. Et mon Dieu, bon Dieu, engagez-le envers vous pour le parole la vie éternelle, éternelle, pour le mener dans le ciel, dans la gloire, dans la félicité. Bon Dieu, engagez-le pour le protéger chaque jour, pour le préserver, pour le prendre soin de vous. Chaque jour, jusqu'à la fin. Allez tout de partir chaque bon bagage que vous fournit. Pas bon Dieu la Bible, et bon Dieu pour mettre nous, pour le mettre en dans le ciel. Pour deux engagements, ça en sérieux. Lorsque vous prenez un loyer avec mon monde, chacun de vous paye Kaya. Si vous ne pouvez pas payer Kaya, vous mettez au dehors. Mais en plus, par contre, ça nous sert à bon Dieu, mais nous prenons à la légère, nous faisons sembler. Nous ne pas respecter les clauses de ce contrat, c'est-à-dire les conditions de ce contrat, nous ne pas respecter. Son engagement, oui, vrai foi, l'homme converti tout bon, son engagement prend envers Dieu. Quel que soit le chance à te cabiner, vous êtes dans l'évangile, vous êtes dans le bon Dieu, dans le bon Dieu, dans la soumission, dans l'obéissance à la parole de Dieu. Jusqu'à ce qu'on rentre dans le ciel là. C'est ça qu'on trace à l'église. Foi, vraie foi qui s'allie.
vraie foi qui s'allie. C'est la clé du ciel. Oui, la foi salvatrice. La foi salvatrice, c'est la clé du. La clé du ciel. C'est la clé du ciel. Je t'ai converti tout le bon. La ville changée. La ville transformée. La ville régénérée. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a des choses que nous voulons toujours, ces choses passées. Ou en retard dans l'évangile. Ou en retard dans l'évangile. Maintenant, pas de confiance. L'homme convertit tout bon, c'est pour se reposer la vie sur Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit. Et c'est ça peut être ça qui vivait dans la vie. Pourvu que qu'on aurait été dans l'évangile, c'est pour pas être mon Dieu gloire, c'est pour pas être mon Dieu louange. Dépression de sa vie, c'est sur la souveraineté de Dieu. C'est après la mort, petit garçon, bon Dieu a inspiré, message ça, passez un mois à faire recherche pour me capable prêcher, message là sur la souveraineté de Dieu. L'on repose la vie sur Dieu, sur Christ, sur le Saint-Esprit. Même ça qui arrive dans la vie, ou pas qu'à comprendre, ou pas qu'à interpréter, pas qu'à être un problème. Seulement, tester les conditions spirituelles avec Dieu. La croix salvatrice, c'est leur confiance dans mon Dieu. Et dans mon Dieu, seul. Bon, moi, deux autres points. Premier point, non, pas prêcher sur le papier. Premier point, c'est la demande de la foi dans la vie du chrétien. Deuxième PTA, c'est la demande de l'espérance dans la vie du chrétien. Qui vous dit que l'espérance, c'est vous dit que la foi. La vraie foi. Vous dit que l'espérance qui est dans le ciel, c'est vous dit que la vraie foi. Il y a tant le son de la trompette. Hein, si on est dans le bruit, il ressuscité la parole bon Dieu. Dis là. Hein, si on parle de temps pour le transformer, puis à rencontrer le Seigneur dans les airs. C'est la bienheureuse espérance. Ça n'a pas besoin de rester solide. Espérance, c'est le monde qui gagne la vraie foi, dans mon Dieu qui gagne. Espérance. Donc, il y a une espérance dans l'accomplissement des promesses de ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Et puis la foi, nous n'allons pas sans pile quand nous avons étudié la foi. Nous ne pouvons pas faire ce pas en pile sur nous. Nous n'avons pas la foi, l'amour. L'amour. L'amour est de Dieu et Dieu est amour. C'est ça que parmi les trois choses qui sont énumérées et énumérées. Dans 1 Corinthiens 13, verset 13, les trois choses c'est la foi. Hein? L'espérance, et puis là, l'amour. Je dis nous la plus grande est l'amour. Pourquoi? La foi qui ne peut pas exister encore. Là, nous avons besoin de bon Dieu. Est-ce que la foi là? Nous n'avons pas besoin pour la foi encore. L'espérance, est-ce qu'elle a besoin encore? Il y a dans le ciel la parole de bon Dieu. Mais et l'amour, est-ce que l'amour pas toujours demeurer dans nous? La demeure dans nous parce que Dieu est amour. Que Dieu vous bénisse.